Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Ciné-Bédélité. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, les très fameux, et d'Astérix. Et nous allons nous demander quels sont leurs points communs et leurs différences. Alors, Star Wars et Astérix, c'est pareil, il y a trois grandes périodes. Les Star Wars vont commencer avec la période à partir de 1977, avec la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ils vont ensuite se poursuivre avec les nouveaux Star Wars qui seront à partir de 1999 jusqu'en 2004, qui est la prélogie, donc la trilogie puis la prélogie. Et enfin, depuis que Disney a racheté les droits du Lucasfilm et la société de production de George Lucas, il y a les nouveaux Star Wars qui sont extrêmement décriés. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Astérix et Obélix, c'est un petit peu pareil, il y a aussi trois périodes. Une première période qui commence en 1959, avec ses premiers volumes en 1959 et qui va se terminer en 1977 avec la mort de Goscinny. Puis il y aura une seconde période avec par exemple ici la galère d'Obélix qui est en fait la reprise de la seconde période et l'une des reprises en tout cas de la seconde période avec les textes et dessins d'Uderzo. Et enfin, il y a une troisième reprise, donc là nous sommes à partir de 2013 avec de nouveaux auteurs, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau des dessins. Et vous avez ici la reprise des Astérix en 2013 avec Astérix chez les Pictes. Deux périodes donc pour ces deux grands arts, le cinéma et la bande dessinée, le 7e art et le 9e art. Pourtant, si Astérix chez les Pictes a beaucoup fonctionné, si la suite, les quatre albums qui sont sortis ont été insensés par la critique, ce n'est pas la même chose pour ces Star Wars-là, qui ont été extrêmement descendus par la critique. Et pour comprendre pourquoi est-ce que le Star Wars a été descendu alors que les Astérix ont été aimés, peut-être faut-il revenir à un fondamental qu'on oublie très souvent sur Internet. Il y a énormément de critiques cinéma sur Internet, et tous oublient ceci. Bien sûr, tout le monde va vous dire le cinéma est une industrie, mais avant d'être une industrie, avant de l'analyser comme une industrie, ce que font la plupart des vidéastes, et je ne leur jette pas la pierre, c'est un droit de le faire et il faut le faire, il faut aussi l'analyser comme un art. Alors, lorsque l'on parle d'art et lorsque l'on veut définir ce qu'est l'art, on se réfère souvent à Kant. Alors, je ne vais pas ici m'exprimer selon Kant et faire mon analyse selon Kant, mais juste pour résumer la chose, Kant différenciait l'art de l'artisanat. Il appelait l'art libertaire, celui libre, et puis l'artisanat, il appelait ça l'art mercenaire, celui que l'on fait pour se nourrir ou on est payé pour le faire. L'art qu'il appelait libertaire, c'est-à-dire l'art libre, pour lui se définissait en trois catégories. L'art mécanique, l'art esthétique, et il y a une autre forme d'art que l'on oublie très souvent, qui est l'art d'agrément. Alors la question va être de savoir est-ce que la bande dessinée ou le film on met dans quel type d'art? Peut-être est-ce qu'il englobe un peu les trois. Je crois surtout qu'il englobe l'art esthétique et l'art d'agrément. Mais je ne vais pas parler de Kant pour définir ceci, je vais vous parler plutôt de la philosophie d'un artiste et de la philosophie d'un artiste suisse qui s'appelle Vincent Dubois et qui a commis ce livre « La main et l'art contemporain, réflexion inutile numéro 6 ». Pourquoi Réflexion inutile numéro 6? Tout simplement parce qu'il y a eu 5 brouillons avant et que l'auteur a refusé de les publier. Donc nous en sommes pas au 6e essai, mais en tout cas au 6e texte de réflexion. Vincent Dubois est sculpteur. Il travaille à Genève. Il est beaucoup connu en Suisse et notamment en Suisse romande. Et dans ce livre, il y a une très grande réflexion sur l'art et je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo spécialement sur ce livre. Il y a beaucoup de choses à dire. L'une des réflexions, c'est la définition de l'art. Alors, il va donner deux définitions et une va nous intéresser ici. La première définition qu'il donne est celle-ci. L'art est donc la matérialisation de la pensée symbolique. Il est de fait aussi le tremplin de nos intuitions, car en concrétisant nos idées, dans des objets, des formes, des gestes, des sons, un miroir de nos pensées, émotion, interrogation, impression, l'art façonne notre ressenti et le met en image. Et lorsqu'on parle du cinéma, le 7e art, c'est un art de la mise en image, c'est un art animé.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont il définit aussi la liberté dans l'art. Kant définit la liberté dans l'art, rappelez-vous, l'art libertaire et l'artisanat qui est l'art mercenaire. Et Kant nous dit « cette liberté provient des codes qui sont source de l'art lui-même ». Mais Vincent Dubois va plus loin. Oui, Vincent Dubois dépasse, transcende Kant. Donc il part de Kant, bien sûr, et je vais vous lire ce qu'il dit. En premier lieu, posons le postulat que l'art est libre, ce que nous dit Kant. Art libertaire et art mercenaire, l'art est libre. Mais encore une fois, oui, je sais, je suis un peu difficile avec Kant, c'est pas mon auteur préféré, mais souvent quand on parle d'art, on parle toujours de Kant, alors il faut bien définir les notions. Lorsque Kant vous parle d'art, de liberté dans l'art, c'est par rapport aux règles de l'art lui-même. Et d'ailleurs, tous ceux qui essaient de transcender ces règles, il les nomme des charlatans, le mot est dans ses livres. Revenons sur la réflexion de Vincent Dubois. En premier lieu, posons le postulat que l'art est libre. Pour ma part, j'aime bien la définition qui dit que chaque artiste se crée son propre langage. Je trouve cette approche pertinente car elle implique un devoir de cohérence. La cohérence, là je fais une petite parenthèse, la cohérence dans le cinéma, le vidéaste qui s'appelle Durandal, que j'aime beaucoup, nous en parle assez souvent. Chaque langage contient au minimum une grammaire, une syntaxe et des mots, desquels découlent la cohérence et les propos qui le font exister. Par conséquent, si l'artiste est libre de créer son langage, il en est aussi captif. L'artiste est donc libre, mais il est aussi captif de sa création de son langage. Il crée son propre cadre d'expression ou son terrain de jeu personnalisé, mais il lui appartient de transformer cette démarche en tremplin plutôt qu'en carcan, comme il lui appartient d'utiliser sa méthode pour décupler ses forces plutôt que de se laisser étouffer. L'artiste est donc libre en amont de l'œuvre. Mais au moment même où l'œuvre commence à prendre forme, le cadre choisi impose sa loi. La liberté est une démarche théorique qui s'efface devant la mise en pratique. Et la pratique, qui baigne dans un univers de contraintes, est régie par un pragmatisme qui se moque de la liberté. Je fais une petite parenthèse, lorsque j'ai lu ce passage-là, et notamment cette phrase, il m'est revenu en tête cette phrase qui dit « Au fond, je me donne des règles pour être libre ». Vous savez, au fond, je me donne des règles pour être libre. Et cela est d'autant plus implacable que le propos s'applique à la matière. C'est une phrase de Georges Perec, hein, « Au fond, je me donne des règles pour être libre » dans le livre les W. L'art consiste ainsi à jouer des lois établies et des contraintes pour s'élever au-dessus d'elles. Le pianiste, qui n'a ni la pratique de son instrument ni la connaissance des notes, ne fait pas naître de musique. Les contraintes sont autant d'entraves que d'appuis tout au long de la chaîne créative. Du concept à l'œuvre concrétisée en passant par le maniement de l'outil, une chaîne de cohérence doit s'installer. Le cadre théorique n'est pas un fardeau s'il aide à structurer la pensée, et l'outil aide celui qui sait le manier. Je vais m'arrêter là, mais que nous dit finalement Vincent Dubois ? La liberté, contrairement à ce que pense Kant dans l'art, ne vient pas de l'art lui-même, mais du langage créé par l'artiste. Tout homme qui sait se créer un langage et qui arrive à avoir une cohérence dans son œuvre qui vient du langage qu'il s'est créé, alors peut être considéré comme artiste. Bien évidemment, il va parler dans ce livre, La main et l'art contemporain, de l'œuvre et du chef-d'œuvre, différencier l'œuvre du chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre est intemporel, il n'appartient plus tellement à l'artiste. L'œuvre, tout le monde en est capable du moment que l'on se fasse un langage. Partons de cette définition et demandons-nous finalement sur quoi s'applique ce langage. Que nous dit l'auteur Vincent Dubois, je répète, sculpteur genevois. L'art s'appuie sur la matière et l'art comme les matières sont inquantifiables. Mais dans mon domaine, la sculpture donc, la matière peut se cantonner au mot latin matiera. Et même si l'on se cantonne à cette dimension, les matières sont très variées et ne se prêtent pas à toutes les formes. Fluide, molle, friable, filandreuse, uniforme, impure, dure, la matière exige qu'on la sélectionne, qu'on la transforme, qu'on la pétrisse, qu'on la cuise, la creuse, la combine à d'autres matières. Chaque matériau ayant ses propres caractéristiques, leur utilisation requiert patience, humilité, audace, persévérance, sens de l'observation et finalement, expérience et doigté. Puisque la matière est concrète, le corps doit apprendre en se confrontant physiquement.
il doit assimiler pour générer les gestes dompteurs. Dès lors, l'artiste se crée un langage qui est dans la matière. Quel langage est celui du cinéma? Si je vous parle de la bande dessinée, et je vais vous montrer ici deux œuvres d'amis, si je vous parle de la bande dessinée, les dessins sont facilement identifiables selon les auteurs. Prenons ce livre, Vers le Sud, de Joël Alessandra. Quand vous regardez à l'intérieur, bien sûr, vous reconnaissez la patte de Joël, parce que ses dessins sont identifiables. Et il y a ici un langage, il s'est créé un langage avec ses couleurs, la façon dont il dessine, les cadres qu'il perçoit. Si vous prenez par exemple Jim, un autre auteur de bande dessinée connu, ici ce sont de beaux moments, je n'ai pas pris Une Nuit à Rome pour vous faire connaître aussi d'autres œuvres. Pareil, lorsque vous ouvrez les pages, vous voyez parfaitement les dessins de Jim, vous voyez parfaitement son langage, vous voyez comment il dessine. Dès lors, dans la bande dessinée, on perçoit très facilement le langage. Et les auteurs qui ont repris Astérix et Obélix, ils ont compris le langage d'Uderzo et Concini, et finalement, ils ont réussi à se l'approprier pour créer de nouvelles aventures grâce à ce langage-là. Et c'est un succès, c'est un succès. Bien évidemment, les auteurs ont déclaré dans une interview du Figaro qui datait de 2013 ou 2014, en disant qu'Uderzo, encore en vie, 91 ans à l'époque, relisait toujours les scénarios et donnait ou non son aval. Mais l'un des auteurs, Conrad, confirme un point, c'est que finalement, il a très peu de choses à changer. Pourquoi? Parce que vraiment, ses auteurs ont compris le langage. Est-ce que c'est le cas pour le Star Wars? C'est finalement toute la question ici. Est-ce que les nouveaux auteurs, J.J. Abrams, par exemple pour le premier, Le Réveil de la Force, a réussi à comprendre le langage qui avait été créé par George Lucas? Est-ce qu'il a réussi à s'intégrer dans cette grammaire, cette syntaxe vocabulaire? Est-ce qu'il a réussi à se l'approprier pour créer de nouvelles aventures? C'est là toute la question au final. Est-ce qu'il n'y a pas de dénaturation de l'œuvre? Et s'il y a dénaturation de l'œuvre, c'est-à-dire s'il n'y a pas reprise du langage, c'est-à-dire s'il y a déformation du langage, alors l'œuvre devient incompréhensible. Cela fait une autre œuvre, bien évidemment, une évolution. Mais ça n'est pas une œuvre originale de Star Wars. Dès lors, si les critiques considèrent que ce sont de bons films, ce ne sont pas de bons Star Wars. Je ne donnerai pas mon avis ici parce que j'aime beaucoup les Star Wars et je me suis régalé, il faut tout de même le dire, lorsque je suis allé les voir au cinéma. Peut-être est-il à réfléchir, bien sûr, est-ce que ce sont de bons Star Wars ou pas, ou est-ce que ce sont vraiment des Star Wars, et c'est toute la réflexion que nous avons ici avec le langage. La question donc qui se pose finalement, si l'on suit le raisonnement du sculpteur Vincent Dubois, c'est est-ce que le langage artistique, une fois que l'auteur, un auteur l'a créé, un artiste l'a créé, est-ce qu'il est transmissible? Est-ce qu'on peut le faire apprendre comme on apprend une langue à un enfant? Et s'il est transmissible, alors est-ce qu'il peut être utilisé par cet enfant, par ces nouveaux artistes? On voit que d'un côté, oui, il est transmissible, les Astérix ont très bien fonctionné. On voit que d'un côté, un langage qui est trop complexe est peut-être difficilement transmissible. Je pense en effet que l'univers de Star Wars et le vocabulaire qu'il y a et la syntaxe, la grammaire de cette œuvre est beaucoup plus difficile à transmettre que le langage d'Astérix. Non pas que le langage des aventures d'Astérix soit simple, mais que le langage de Star Wars est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que aussi le langage cinématographique, cet art de l'image est beaucoup plus complexe que l'art de l'image en bande dessinée. Même s'il y a tout un travail de storyboard en bande dessinée, on est tout de même sur des langages qui sont de complexité différente et j'aime vraiment les deux arts. Je suis un passionné des deux arts. Donc c'est la question qui se pose. Peut-on transmettre le langage? L'autre question qui va se poser finalement, c'est est-ce que les auteurs qui ont créé un langage, prenons par exemple James Cameron pour une œuvre, arrivent des années plus tard à reprendre ce langage pour créer une autre œuvre, pour créer une suite d'une œuvre. Prenons l'exemple des Terminators. Il a créé le Terminator 1 qui est excellent, le 2 qui dans la version cut d'ailleurs se termine. On ne comprend peut-être pas pourquoi il y aurait eu un 3, un 4, un 5, mais passons, les 3 et les 4 sont vraiment bien faits. Mais lorsque l'on regarde le 6, le retour, à peu près une vingtaine d'années plus tard, de James Cameron derrière la caméra, pour faire un sixième, il nous a dit: les autres, oubliez-les. Je reviens avec un film qui est la suite directe du 2 de celui que j'ai créé. La critique a dit ce n'est pas un bon Terminator. Et pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a plus compris lui-même le langage qu'il avait créé. Peut-être qu'il n'y a plus, comme nous le dit Vincent Dubois, cette cohérence dans son langage. Ce qui fait que les fans et les critiques n'ont pas aimé ce film-là,
en disant que ce n'est pas un bon Terminator parce qu'il y avait la perte de la cohérence. On le voit, un artiste crée un langage, se crée dans ce langage une liberté. On va donc plus loin que Kant, la liberté n'est pas due à l'art lui-même, mais au langage créé par l'artiste. Et en ce sens, Vincent Dubois va beaucoup plus loin que Kant. Si le langage est bien compris et s'il peut y avoir une transformation, n'oubliez pas que pour Kant, celui qui transforme cette liberté de l'art, ces contraintes libertaires de l'art, est un charlatan. Et c'est toute la question finalement de savoir est-ce qu'il aurait aimé les poètes, les réalisateurs, les peintres modernes, Kant les aurait-il aimés, je ne sais pas. Et votre réponse ne m'intéresse pas, mais soyons sérieux sur un point. C'est que si vous créez un langage, il faut de la cohérence, et dès lors vous créez des contraintes. Et les contraintes, peut-être pouvez-vous les oublier, même si vous êtes l'auteur lui-même. Alors dès lors, est-ce que James Cameron n'aurait pas oublié? C'est pour ça que ce serait un mauvais film. On le voit, sur Internet, on ne regarde jamais le cinéma comme un art. La BD, il y a très peu de gens qui commentent la BD, mais on ne commente jamais le cinéma comme un art. Et finalement, ce qu'il est en train de se passer avec aujourd'hui la plateforme Netflix ou Disney+, nous interroge sur le cinéma en tant qu'art et nous interroge sur la création libre du langage cinématographique. Voilà, je voulais juste avoir cette petite réflexion avec vous du pourquoi les Star Wars ont été énormément critiqués et n'ont finalement pas fonctionné, mais pourquoi les Astérix, la reprise des Astérix, a beaucoup, beaucoup mieux fonctionné et a été encensée par la critique, alors qu'il semblait beaucoup plus difficile de reprendre un Astérix que de reprendre un Star Wars. Et vous voyez, toute la question est là, c'est la définition que l'on donne de l'art, et je trouve que la définition de Vincent Dubois est tout à fait excellente. Je vous remercie de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et vos réflexions également sur l'art, cela m'intéresse. Merci et au revoir.